Bonjour et bienvenue dans cette deuxième suite de cours de la méthodologie arcadienne. Non pas dédiée cette fois-ci à un instrument, à l'apprentissage d'un instrument de musique, mais à la connaissance, au savoir de la musique de manière générale. Ce qui comprend donc le solfège, l'harmonie, le rythme, l'improvisation, la composition, quelques tips, quelques techniques, quelques astuces concernant un peu tout ça. La connaissance. Surtout ce qui est solfège, donc gamme, intervalle, premier degré, tac-tac, mineur, majeur, six napolitaine, sirop de glucose-fructose. Et on commence en plus tarder avec ce premier cours qui va traiter de la première chose fondamentale à savoir quand on débute la musique sur le plan de la théorie, de la connaissance. Parce qu'il s'agit bien ici de théorie de connaissance et non de pratique. Ce qui vous permet ensuite de pratiquer votre théorie dans votre instrument. Hein, donc ce sont des cours qui sont dédiés à tout le monde. Donc premier cours, nous allons traiter ici de trois mots particuliers. Gamme vert. Hein, avec intervalle, très important, c'est le plus important de ce cours. Et notes. Les notes, les gammes, les intervalles. Et pour introduire ce cours, nous allons passer sur le piano pendant quelques instants. Alors, nous sommes donc sur un piano. Hein. Ce que je vais vous apprendre, bien sûr, ne concerne pas que le piano, ça concerne n'importe quel instrument. Mais c'est sur un piano qu'on va pouvoir visualiser le mieux, au vu de la largeur des touches et puis de la manière dont ça se structure. Nous avons donc trois mots à étudier et à connaître aujourd'hui, gamme, les intervalles et les notes. Bon, une note, c'est tout simplement une touche, du moins sur un piano. Ceci est une note, ceci est une note, ça n'avait pas de sens, normal, il n'est pas allumé. Ceci est une note, ça c'est une note, c'est une note, c'est une note, c'est une note, etc. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est un motif qui se répète finalement. Le piano, ce n'est pas juste un peu de touches blanches, quelques touches noires, et puis ensuite et puis on fait des trucs un peu et on change à chaque fois. Non. On a bien des motifs qui se répètent. Ici, elle a 2 touches noires, puis 3 touches noires, puis 2, puis 3, puis 2, puis 3, puis 2, puis 3, et pareil en bas. Ici, on a 2 touches blanches collées, 1, 2, 3, 2 touches blanches collées, 1, 2, 3, 4, 2 touches blanches, 1, 2, 3, 2 touches blanches, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, etc. Donc c'est vraiment, finalement, un motif qui va se répéter, qui est celui-là. Si on pouvait décomposer le motif, ce serait celui-là, ça. Ça, c'est le motif. De là à là, on a le motif, qui va ensuite se répéter. Ce motif-là, c'est ce qui va composer une gamme lorsqu'on va mettre des notes à l'intérieur. Une gamme est composée normalement de 7 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le motif se répète à la 8e note. On a donc ici une gamme composée donc de 7 notes. Lorsqu'on parle du coup de jouer ceci plus haut ou plus bas, nous parlons de jouer la chose à l'octave, l'octave supérieure ou l'octave inférieure. Octave, nouveau mot, octave qui désigne juste en fait le fait de jouer un octave plus haut. Un octave c'est une intervalle, et donc ça nous introduit donc aux intervalles, mais nous n'en parlerons pas tout de suite, on va continuer d'abord sur les notes. Au piano donc, une gamme c'est donc 7 notes. On va donc prendre les 7 premières qui se suivent, sur les touches blanches. Là, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas, par exemple, celle-là? Pourquoi on ne ferait pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Bon, la raison qui explique cela, c'est une raison d'harmonie. Si je fais sonner les notes que je viens de désigner, ça ne sonnera pas à l'oreille, ça ne formera pas quelque chose, en fait, qui sera mélodiquement et harmoniquement juste et propre. C'est donc pour ça que Bach, qui est donc le précurseur entre guillemets de tout ce que je vais vous apprendre, des règles et des lois qui existent sur un piano, un clavier tempéré, hein, voilà. Il a donc décidé que la gamme par défaut principale sera donc celle-ci. J'ai réussi à faire une fausse note. Nous avons une gamme avec donc les 7 notes qui forment cette gamme, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Vous avez donc déjà connaissance de ce premier mot. C'est un mot très simple, une gamme, c'est juste une composition de 7 notes. Voilà, une gamme est composée de 7 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça forme une gamme. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça forme une gamme. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça forme une autre gamme. Peu importe les 7 notes que vous allez mettre, tant qu'elles sont différentes et qu'ensuite elles rejoignent à la 8e note qui est donc l'octave supérieure de votre première note. Hein, ça commence à être compliqué, je sais. Vous avez une gamme. Alors bien sûr, il y a des noms à cette gamme. Ceci est une gamme de Do majeur. Pourquoi? Parce que nous commençons sur la note de Do et que nous allons effectuer par la suite une suite de notes, d'accord, à des intervalles bien précis qui formeront justement la gamme de Do majeur. La gamme de Do majeur, c'est donc quoi? C'est donc la première note, l'intervalle suivante sera donc une seconde majeure. L'intervalle suivant sera une autre seconde majeure. L'intervalle suivant sera une seconde mineure. Une seconde majeure, une seconde majeure, une seconde majeure, une seconde mineure. Et là, vous commencez déjà à plus comprendre parce qu'on parle d'intervalle et donc de mots
supplémentaires de vocabulaire qui se rajoutent. On a donc du coup l'introduction des intervalles qui vont venir ici, mais avant de vous expliquer les intervalles sur un piano, il faut d'abord regarder ce que c'est une intervalle sur une guitare. Nous revenons donc sur notre plan initial, et nous prenons une guitare pour pouvoir comprendre ce que c'est les intervalles. Le piano, contrairement aux autres instruments, possède une élaboration d'intervalles, une conception des notes, une formation, une suite des notes qui est propre au piano, qui est propre au clavier. Les orgues, les clavecins seront identiques. Mais pour ce qui est des autres instruments, violon, violoncelle, guitare, basse, etc., ça sera différent. Sur une guitare, les notes se présentent de la manière suivante. Nous avons une corde. Admettons que celle-ci est un Do, d'accord ? En réalité, c'est un Mi, mais admettons que c'est un Do pour la compréhension, pour une compréhension plus aisée. Nous avons donc un Do. D'accord ? Il n'y a pas de touche noire, de touche blanche ici. On a juste des frettes. Une frette, c'est ceci, c'est la petite barre qui permet de délimiter les cases. Et nous avons donc un enchaînement de cases, et chaque case est en réalité une note différente. D'accord ? Donc ceci est une note. Ceci est une autre note, car j'appuie sur une case. Ceci est une autre note, car j'appuie sur une case. Et on suit consécutivement les cases pour former du coup toutes les notes. Et là, à l'oreille, on peut déjà voir que celle-là, c'est la même note que celle-là. C'est effectivement la même. Si vous avez une bonne oreille, vous pouvez l'entendre. Mais à l'octave supérieure. Octave, mot que vous avez déjà compris par rapport à ce qu'on a vu sur le piano. Donc on peut déjà savoir que ceci, ce qui est intéressant, car c'est la délimitation du bois, car l'octave, en fait, supérieure délimite ensuite la continuité de la guitare. Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si, Do. Et le Do est ici. Et lorsqu'on va continuer, la guitare, d'accord, le bois va commencer. Donc c'est un repère visuel très important et très intéressant. Mais si l'on veut typiquement jouer une gamme de Do majeur, la gamme que je jouais tout à l'heure au piano, sur une guitare, eh bien c'est paradoxalement plus dur sur une guitare que sur un piano. Car il va falloir visuellement, d'accord, comprendre déjà à l'avance comment est formée la gamme de Do majeur afin d'y mettre les bons intervalles. On se rappelle, sur une guitare, une case c'est une note, d'accord, et les intervalles que vous avez entendus qui composaient la gamme de Do majeur, c'était Do, puis une seconde majeure, une seconde majeure, une seconde mineure, et vous étiez en mode dans la majeure, mineure, 15 ans et demi, 16 ans, je ne comprends pas. Et pour comprendre justement cette notion de gamme et de composition de gamme, il faut comprendre du coup cette notion d'intervalle. La notion d'intervalle va quant à elle être comprise avec l'ajout d'un nouveau mot du vocabulaire qui sera du coup cette fois-ci le ton, hein, ce qui n'a aucun rapport avec une fille moche ou le poisson. Un ton, c'est en réalité deux cases sur une guitare, et c'est pour ça que c'est bien plus simple sur une guitare que sur un piano. Un ton, c'est en réalité donc deux cases, d'accord ? Si je fais ceci, 1, 2, c'est les pompiers, d'accord, mais c'est pas le sujet. Je joue en réalité un ton au-dessus de la note précédente. Là, je joue une note. Si je veux la jouer un ton au-dessus, je rajoute deux cases. 1, 2. Et je suis du coup à un ton supérieur à ma note précédente. Donc mon Do, un ton au-dessus, tac, tac, mon Ré. Si je veux jouer un demi-ton, alors du coup, c'est une seule case. Bon, le chat commence à me faire chier. Si je veux jouer un demi-ton, alors du coup, c'est une seule case. Ah oui, si le ton, c'est deux cases, le demi-ton, la moitié d'un ton, c'est donc la moitié de deux cases, donc une seule case. Donc, ma note, un demi-ton au-dessus, ça donne donc ceci. Une seule case au-dessus. Donc je répète, pour faire très court et très simple, j'ai une note. Quand je veux jouer un ton au-dessus, c'est deux cases. 1, 2. Quand je veux jouer un demi-ton au-dessus, c'est une seule case. Et maintenant, on crée la symbiose, la logique, la compréhension qui va nous permettre de comprendre la notion de seconde mineure, seconde majeure, qui sont les intervalles. Donc ce sont le vocabulaire utilisé pour décrire une intervalle. Une seconde mineure, c'est un demi-ton entre deux notes. Donc si je fais cette note-là, sa seconde mineure sera donc la note qui sera un demi-ton au-dessus de cette note. Donc une seule case au-dessus. Hop. Ces deux notes, leur intervalle, leur distanciation, forment donc ce qu'on appelle une seconde mineure. Une seconde majeure, si vous avez un cerveau vif, vous avez du coup anticipé le fait qu'une seconde majeure, c'est donc un ton. Donc au lieu d'avoir un demi-ton, je rajoute encore un demi-ton, ce qui nous forme donc un ton. Demi-ton plus demi-ton égale un ton. Donc deux cases. Donc j'ai ma note, je fais deux demi-tons, un demi-ton, deux demi-tons, deux cases. Je suis donc à deux cases, donc à un ton. Et j'ai donc ma seconde majeure. Et maintenant, on se rappelle de la conception, de la composition d'une gamme de Do majeur que j'ai montré lors du piano. J'avais dit donc seconde majeure, seconde majeure, seconde mineure, seconde majeure, seconde majeure, seconde majeure, seconde mineure. Oh là là, c'est compliqué. Non.
Vous savez maintenant qu'une seconde mineure, c'est ça, qu'une seconde majeure, c'est ça. Donc on exécute sur une guitare. Seconde mineure, une case, seconde majeure, deux cases. La gamme de Do majeur, une gamme de n'importe quelle note majeure, ce sera toujours composé de votre première note, un ton, une seconde majeure, un autre ton, une autre seconde majeure, un demi-ton, une seconde mineure, un ton, une seconde majeure, un autre ton, une seconde majeure, un autre ton, une seconde majeure, et un demi-ton, une seconde mineure, qui nous emmène du coup sur l'octave, votre note du début à l'octave. Donc votre note du début, en fait, plus haut. C'est parti sur une guitare. Note de base. Un ton. Un ton. Un demi-ton. Un ton. Un ton. Un autre ton. Un demi-ton. Plus rapidement, ça donne donc ceci. Voilà, j'ai changé les doigts, donc c'était compliqué à voir. On va refaire. D'accord. Donc finalement, quelque chose qui était très simple à faire sur un piano, enchaîner des touches blanches jusqu'à entendre que c'est la même note du début, est finalement plus dur à faire sur une guitare. Mais c'est plus simple à comprendre sur une guitare qu'à comprendre sur un piano. Ah voilà, d'où le fait que Pirorca met ensemble les deux instruments qu'on peut... c'est fantastique, c'est fantastique. Et on va donc revenir sur notre piano. De retour donc sur le clavier avec une vue qui est centrée sur une gamme. Je vous rappelle qu'une gamme c'est l'enchaînement de 8 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'octave, tac. Nous avons donc ici notre gamme, d'accord. On va donc maintenant s'entraîner à faire ce qu'on a fait sur une guitare, avec le vocabulaire de case en fait, qui est propre à la guitare. Cette fois-ci, en retirant cette facilité en fait de compréhension grâce aux cases et aux frettes, on va retirer ça et on va s'adapter en fait pour avoir que les tons et les noms des intervalles. Donc, nous avons notre première note. Un ton au-dessus. Eh oui, car la note qui est juste au-dessus, ce n'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc, un ton, c'est donc deux demi-tons. Donc, demi-ton, demi-ton. Demi-ton, ton. D'accord ? Demi-ton plus demi-ton égale ton. Bon. Donc, ma note, un ton au-dessus. Un ton au-dessus. Un demi-ton au-dessus. Un ton au-dessus. Un ton au-dessus. Un ton au-dessus, un demi-ton au-dessus, voilà. Donc quand je dis un ton, en réalité je saute une note. Un ton, on saute ça. Un ton, on saute ça. Demi-ton, un ton, etc., 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 etc. Donc ça c'est la première intervalle que vous allez apprendre du coup en fait dans la notion des intervalles et dans les noms qui existent pour désigner des intervalles. Donc vous avez appris les deux premières intervalles, seconde mineure. Hein, donc la note est... un demi-ton au-dessus forme la seconde mineure. Ça fait les dents de, ça fait les dents de la mer, typiquement, si on, les joue, si on joue plus bas. On va décaler ici. Bon, voilà. Comme ça, maintenant que vous avez acheté ce premier cours... non, d'ailleurs, il est gratuit, du coup. Vous savez déjà jouer les dents de la mer, incroyable. La performance des cours de Pirorca, c'est vraiment exemplaire. Donc, demi-ton... Si on rajoute un demi-ton, ça donne ceci, et on a donc la seconde majeure. Donc seconde mineure, seconde majeure. Ça, c'est pour les premiers intervalles que vous allez apprendre dans ce cours. Nous allons pas voir les autres intervalles dans les... Nous allons pas voir les autres intervalles dans ce cours-là, ce sera le cours juste suivant. Le cours suivant va donc parler des intervalles, de la transposition, et affiner un peu plus, et peaufiner un peu plus dans les détails, en rajoutant du vocabulaire, en rajoutant du coup des éléments, des détails, etc., etc., etc. Mais pour ce qui est du premier cours, il touche déjà à sa fin, en espérant qu'il vous ait plu, et qu'il vous ait suffisamment intéressé pour que vous vous renseigniez davantage sur le reste, et que du coup vous les payez. Non, parce que moi je gagne de l'argent en fait sur ça. Et donc pour les personnes qui souhaitent apprendre tout le solfège et toutes les notions, enfin peut-être pas toutes, mais du moins les plus importantes, qui vous permettront de jouer, d'improviser, de composer, de rejouer une musique instantanément à l'oreille, incroyable. Les liens d'achat sont en description, le prix c'est 20€ pour tous les cours, comme d'habitude. Méthodologie orcanienne de piano, 20€. Méthodologie orcanienne pour le solfège et l'harmonie, 20€. Vous allez sur le site... Ah, pirorca.com, c'est incroyable ce site, il est fantastique. Vous êtes dans la bonne catégorie, tac tac tac, vous cliquez, tac 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 tac, et vous allez directement trouver comment acheter le cours, vous dépensez 20€, et ensuite vous devenez un génie, c'est logiquement, enfin si j'ai bien fait mes cours. Et donc la suite des cours, ce sera les intervalles, ce sera l'harmonie, ce sera le rythme, ce sera des tips pour l'improvisation, des tips pour la composition, etc.
Comme d'habitude, il y aura normalement une dizaine de cours à peu près qui vont traiter donc de diverses choses. Et dans la finalité, si vous assemblez la méthodologie orcanienne du piano et la méthodologie orcanienne du solfège et de l'harmonie, vous êtes censé, avec votre piano, pouvoir improviser et composer ce que bon vous semble, rejouer n'importe quelle musique quand bon vous semble, etc., 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 et avoir un niveau qui devrait être normalement proche du mien. En retirant l'expérience, bien sûr, parce que si vous démarrez le piano, en fait, avec ces cours, vous avez en fait mon nombre d'années de piano à rattraper, donc 10 ans du coup. Mais dans l'idée, vous allez avoir la même manière en fait, vous allez avoir les mêmes outils que moi, et qui sont optimisés en fait pour l'expression et l'épanouissement avec votre instrument. Je vous laisse, j'espère que ce cours vous aura plu. On se retrouve pour les prochains cours pour ceux qui ont de l'argent, et pour les autres, sniff sniff. C'est moche.